Dans la vidéo sur la vie de Phil Orsen, je vous ai expliqué que Phil, à un moment donné, elle est devenue extrêmement, merci Lynn pour ton don, elle est devenue extrêmement connue du jour au lendemain. Elle a fait un son, son premier single a fait un carton, alors qu'elle était encore méconnue du public américain. Donc son premier single en tant que petite starlette locale danoise sort dans les bacs et explose les charts. Il est passé dans toutes les radios, dans toutes les télés, etc. Et c'est ça qui l'a rendue star aux États-Unis. Et je vous avais dit qu'il y a une histoire avec ce single. Et je vais vous la raconter, que Phil va nous raconter plus en détail. Une histoire sombre, une histoire ténébreuse avec ce single. Et elle va tout détailler dans son TikTok. Eh bien, vous savez quoi? Tenez-vous bien. Phil Orsen, elle explique que l'histoire de ce single qui a fait d'elle une star internationale cache quelque chose. Un jour, un mystérieux homme danois, alors qu'elle participait à une de ces fameuses soirées d'Hollywood de pacte de ketchup, et lui a proposé un pacte. Il vient vers elle et lui dit, est-ce que tu veux être connu? Est-ce que tu veux être célèbre? Je sais que tu veux faire ton beurre dans la musique. Moi, je peux te rendre célèbre. Mais pour cela, il faut une contrepartie. Sur le coup, elle n'a pas compris. Elle avait à peine 16 ans. Elle ne comprenait pas. Elle dit, mais c'est qui ce mec bizarre que je ne connais pas? Je viens de signer un truc avec mon sang, je ne sais même pas ce que c'est. Je suis bourrée, je suis torchée. Et t'as un mec plus vieux que moi qui vient me voir et qui me propose de devenir une star. Qui me dit, je peux faire de toi une star. Sur le coup, elle a dit, non, 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 j'ai peur. Je suis croyante, vous me faites peur, je ne veux pas. Je veux rien savoir. Et malgré son refus, Phil Orsen, elle explique que après ça, elle enregistre son single et pouf, son single fait un carton. Toutes les radios le passent, toutes les boîtes de nuit, etc., etc. Elle est invitée de partout. Elle est devenue la nouvelle Coqueluche, la nouvelle Miley Cyrus. Et là, elle ne comprend pas. Et elle commence à faire le rapprochement. Mais comme elle était encore jeune et bête, elle dit non, c'est peut-être un hasard. Sauf que quelques temps plus tard, après que son single ait fait un carton sur les charts, ce fameux homme mystérieux danois la recontacte. Et là, il lui dit, le carton que tu as fait avec le single, là, ton single, là, ce n'est qu'un aperçu de ce que je suis capable de t'offrir. Est-ce que tu en veux plus? Si tu en veux plus, il faut que tu rentres dans les rangs. Il faut que tu pactises. Alors, maintenant, trêve de bavardage, mes chéris. Et on va commencer. Je vous explique, elle, ce n'est pas Phil Orsen. Elle, c'est une autre influenceuse qui a fait un TikTok qui n'existe plus. J'essaie de le retrouver, je ne l'ai pas retrouvé. Un TikTok où elle dit que Hollywood, c'est le diable, n'y foutez pas les pieds. Et Phil Orsen, en fait, le TikTok qu'elle va faire où elle expose Hollywood, c'est un TikTok de réponse où elle confirme les dires de cette jeune fille. OK? Allez. It is literally true that Hollywood is the devil's playground. Exposing my 4 years in LA, making it short. Because there's so Donc, Phil Orsen, elle est restée, elle a vécu 4 ans à Los Angeles. Pour ceux qui veulent connaître un petit peu le parcours de Phil Orsen, là, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne Gossip où j'explique toute son histoire, toute sa vie de l'anonymat à la célébrité. Voilà. Et là, elle va préciser des choses que le grand public ne savait pas sur ce qu'elle a vécu à LA. Stories. I commented on Simply Nessa's video and people were like, story time. Hollywood is evil. Before people say I have never been in LA and been around people,
This is me and this is Miley Cyrus and Noah Cyrus. No. Voilà, donc là, elle montre les photos que je vous avais déjà montrées précédemment sur ma vidéo partie 1 sur la vie de Phil Orson. Où en fait, elle prouve, hein, je vous avais montré cette photo-là, où elle prouve qu'elle a fréquenté les Cyrus, la famille Cyrus, notamment Miley et Noah. Noah was one of my best friends back then and one of my first friends in LA, and I actually lived in her house, her family's house. This is me and Noah, and I just want to say she's not... Voilà, donc je vous avais expliqué Phil avait vécu quasiment hein, dans la même maison, dans la maison des Cyrus pendant au moins 15 jours. Tout ça, c'est dans ma vidéo précédente. Evil and she's the sweetest girl ever. Her family and her were so kind to me. So anything I'm mentioning in this video, first friends in LA and actually in LA and been around people. This is me and this is Miley Noah Cyrus. Noah was one of my best friends back then and one of my first friends in LA and I actually lived in her house, her family's house. This is me and Noah. And I just want to say she's not evil and she's the sweetest girl ever. Her family and her were so kind to me. So anything I'm mentioning in this video is not about them. Donc en fait, elle dit que les Cyrus ont été très gentils avec elle. Elle dit que tout ce qu'elle va exposer sur Hollywood et les pactes de ketchup, les Cyrus n'ont rien à voir là-dedans. Ça m'étonnerait. Je pense pas qu'elle soit totalement honnête, la fille. Mais bon. Mais je trouve ça bien hein, qu'elle ne crache pas sur des gens qui l'ont aimé, qui l'ont hébergé, qui l'ont fait entrer dans sa vie. Hein. Même si elle a vu des choses, qu'elle ne le dise pas. Je trouve ça très bien. C'est très loyal de sa part. I met a lot of people through the Janoskians back in the day. I got so bullied on Twitter. I was dating Daniel. Les Janoskians dont elle parle, je vous l'ai dit sur ma vidéo précédente, c'est un groupe de jeunes chanteurs, aussi, je crois qu'ils font aussi des trucs YouTube, et elle est sortie avec l'un d'entre eux. Il s'appelle Daniel, c'est son premier petit ami en fait, et ils avaient eu une relation à distance, et lui, il ne voulait pas qu'ils s'affichent tous les deux. Tout ça, c'est dans ma vidéo précédente, hein, pour en savoir un petit peu plus. In this video is not about them. I met a lot of people through the Janoskians back in the day. I got so bullied on Twitter. I was dating Daniel from the Janoskians. Some years ago, I saw Bo's Instagram and I realized that they had all pulled away kind of from the public and split up. And I could see that he was what I think looked like he had been through something. Gave me the goosebumps because... Ah, vous entendez? Enfin, vous lisez plutôt. Là, elle est en train de dire que Daniel, son ex, a quitté le groupe Janoskian du jour au lendemain avec perte et fracas. Quand j'ai su que Daniel avait fui le groupe, j'ai tout de suite compris qu'il lui était arrivé une dinguerie. It kind of from the public and split up, and I could see that he was what I think looked like he had been through something. Gave me the goosebumps because I experienced weird shit at their parties and some other parties from people that I met in this crowd. This. Elle dit qu'elle a tout de suite compris qu'il s'est passé un truc bizarre parce que. Elle-même, elle a assisté à certaines soirées auxquelles participait son ex Daniel et elle aussi, et tout le groupe, des soirées où il se passait des choses bizarres. Et il y a effectivement beaucoup de jeunes enfants stars qui disparaissent du jour au lendemain, qui disent « je ne veux plus rien avoir à faire avec Hollywood ». Certains disent pourquoi, d'autres ne disent pas. Because it's scary. Just to say, I did have a life in LA. One time I spoke out about like Hollywood and evil... And people said I was crazy and I was making things up. To make it short, things that I experienced that made me get the fuck out of here. I saw Viners doing weird rituals that I got invited to and I... Alors, elle dit que les Viners... Vine, en fait, c'était l'ancêtre d'Instagram. Il y a beaucoup de YouTubeuses, d'Instagrammeuses qui sont devenues célèbres grâce à Vine. Beaucoup de Viners... qui sont devenus maintenant des gros youtubeurs ou des gros influenceurs, ont fait des soirées comme ça avec elle. I left, including blood. Did have a life in LA, in this crowd. This is me in Pamela Anderson's pool with her son. Just want to say the people that I'm showing are not someone I experienced something weird with. I would not post someone I experienced something weird with because scary. Just to say I did have a life in LA. One time I spoke out about like Hollywood and evil... And people said I was crazy and I was making things up
to make it short, things that I experienced that made me get the fuck out of here. I saw Viners doing weird rituals that I got invited. J'ai vu des Viners, donc des enfants stars, des influenceurs de Vine faire des rituels bizarres. I did too, and I left, including blood. People talking very openly about the devil. I was with someone who was bragging about how he just sold his soul. Attendez, attendez, vous avez lu là? Vous avez lu? Que dans ce, elle dit dans ce milieu-là, ça parle de Shaitan sans aucun complexe et que même beaucoup se vantent d'être des adeptes de Shaitan. Ah, oh, vraiment. Et ce sont les diviners, hein, les influenceurs. Vous savez, les jeunes qui sont là à faire des vidéos, salut mes loulous, etc. Déjà, en off, ces gens-là, ils ont pactisé avec Shaitan et ils s'en vantent. Écoutez, regardez ce qu'elle dit. Hein. I saw Viners doing weird rituals that I got invited to and I left, including blood. People talking very openly about the devil. I was with someone who was bragging about how he just sold his soul. And then he became a really big artist in a matter of 2 months. Vous avez lu ce qu'elle a dit? Ou pour les anglophones, entendu ce qu'elle a dit? J'ai vu des Viners, donc des influenceurs, des enfants stars, faire des sacrifices dans ces soirées et devenir célèbre au bout de 6 mois, du jour au lendemain. Comment des enfants à leur âge pensent à faire des sacrifices? Quel genre de sacrifice? Elle n'a pas précisé, c'est ça qui est dommage. I was invited to parties in basements involving children. I didn't. Elle dit ça se passe dans des sous-sols. Ça me rappelle l'histoire de ces reportages de TF1 dont je vous ai parlé sur un de mes lives privés qui est disponible pour les members sur YouTube et sur mon site internet pour les sitoises, où une jeune Française avait dit, quand elle était gamine, sa famille lui faisait participer à des rituels qui concernaient des enfants et ça se passait dans des sous-sols de la ville de Paris. Et là, elle dit Los Angeles, sous-sol, et il y avait des enfants dedans. Rituals that I got invited to and I left, including blood. People talking very openly about the devil. I was with someone who was bragging about how he just sold his soul. And then he became a really big artist in a matter of 2 months. I was invited to parties in basements involving children. I didn't go, of course. A very big YouTuber asked me to pay me $80,000 to have a threesome with me and my brother. Something about that energy would give us more success doing something that disgusting, crazy. And he really begged for that. We never did that. Vous avez vu ce qu'elle dit là? C'est très intéressant. Elle dit qu'il y a un gros YouTuber qui leur a proposé de faire un plan à trois avec son propre frère. Donc, de faire des bails d'inceste avec son propre frère parce que d'après sa religion chétanique, faire quelque chose de sale allait lui rapporter de l'argent. Ha! Doing something that disgusting crazy. And he really begged. Et il lui a proposé $80,000 pour faire ça. Ça me rappelle quand Ludivine nous disait qu'il y a des énergies dans tout ce qu'on fait de bien ou de mal et que tout ce qui est sale a une énergie spirituel. Et j'ai souvent entendu dire que certains comportements borderline dégagent une énergie et sont pratiqués dans certains endroits pour attirer la gloire, l'argent, etc. Et c'est vrai qu'on entend souvent beaucoup de scandales autour de tel ou tel footballeur, sportif de haut niveau, chanteur, youtubeur, qui font des trucs extrêmement glauques. Et on se demande, mais pourquoi tu fais ça? T'es connu, pourquoi tu fais des dingueries comme ça? I did give my blood to parties, which still freaks me out to this day because I have no idea what that means for me. But back then I was young and I just wanted to go to these parties because it was just exciting. But it is true, like when you go into some of these parties, you have to, like they poke your finger. I gave my blood and I signed my name. Elle va dans des soirées bizarres comme ça pour le fun. Elle prend son hémoglobine et puis elle signe des contrats. I think everything was very sexual and like crazy sexual things. I think I met Hollywood to enter the parties.
I made a TikTok where I was exposing my time in Hollywood, some of it. But I got so many questions back on the whole giving my blood at parties. Asking me if it was a contract. It was never a contract. I think I have been to over 100 parties in LA, and I gave my blood around 5 times. I thought it was just like a thing. I was young. Donc elle a fait ça 5 fois dans sa vie, quoi. 5 fois. Elle est partie à des soirées bizarres où elle prenait le ketchup de son doigt et a signé des contrats comme ça, sans savoir ce qu'elle est en train de signer. Mais combien d'entre eux ont fait ça? Ont signé des pactes sans même comprendre ce qu'ils étaient en train de faire? Just thought it was like a weird theme thing people did, some people did. So to get in, that would be sitting someone at a table, right? And you would write your name, like a signature, and then they would poke your finger. They always poked this finger. And then I put my blood down next to my name. And that would just be like a long list with names of people that went into that party. I still to this day don't know what that means for me, but I'll do a part 2 on how I felt after these years. Donc là, elle dit que jusqu'à aujourd'hui, elle ne sait pas ce que implique ce qu'elle a signé. Elle l'a fait pour le fun, mais elle n'a toujours pas conscience de ce qu'elle a fait là-bas. I gave my blood at parties in Hollywood, part 2. I think energy is everything. And besides all the weird shit that happens in Hollywood and what I experienced of weird things, I think back now on the energy. When I lived 4 years back and forth in LA, I became really sick with eating disorder, depression, anxiety. Very normal to starve yourself. I feel like everyone I knew there had mental illness, and I became really mentally ill. I literally just wanted to die. And when I left LA, it was because I just had enough. I saw too much. I got really scared of the things that I saw. Vous entendez? Qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, faut quand même reconnaître que beaucoup d'enfants stars développent des maladies mentales. On parle de Britney Spears, Justin Bieber, etc. Ils sont pleins comme ça. Même Michael Jackson avait des troubles mentaux. Ils sont pleins comme ça d'enfants stars qui ont des soucis psychologiques. Alors, est-ce que c'est un hasard ou pas? Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. And I went home, I never talked about it. I just closed this chapter. I always thought if I talk about it, I'm gonna die. Like I just had a feeling that I saw some things that I should not have seen. That I still to this day will never go in details with. But talking about the energy is so, so dark. So happy and full of light now that I gave my blood at parties in Hollywood. And everyone is asking me for story times because I'm exposing shit now. So I left all of this, but I see a lot of the people I used to hang out with. How big they became with fame, how different they are now. I have one story time that I always think back on because every time. Donc elle dit que elle connaît plein de ses amis qui sont restés. Elle a fui, mais beaucoup de ses amis qu'elle connaissait à l'époque sont restés là-bas et aujourd'hui sont riches, sont célèbres, etc. Mais et qu'ils ont beaucoup changé. Me for story time is because I'm exposing shit now. So I left all of this. But I see a lot of the people I used to hang out with, how became with fame, how different they are now. I have one story time that I always think back on because every time this girl pops up on my For You page and her sister, I always think of them. So I will not say names, but my 2 first friends in LA were not famous back then, but they are super like worldwide famous now. They literally kind of lived in their car with their mom and their dad was home working. And they were just driving around in this car to like every party, getting dressed, getting ready in the car. It was all just like a project to become famous. And I was young as well. And the mom actually drove me with them to a lot of parties. And when we came to the parties, they were literally just looking around. This is this YouTuber. This is this Viner. Yes. This was back in the Vine days. And these 2 sisters would literally go to all these famous people, friend them, and take pictures with them. Always telling me, like, Fee, take a picture with him. Take a picture with her. It's going to gain you. It's going to gain you. And I remember back then, I thought, this is ridiculous. I just want to party. But they did this, and now they have millions of followers, these 2 girls, these 2 sisters. So they did do something. Je me demande qui sont ces 2 sœurs-là. Right? Emma. Thinking back on it, it's so crazy, especially because the mom was such a stage mom.
These girls were so young back then. I think I was 17 and they were younger than me. So this was little kids living in a fucking car, driving around from party to party, just trying to like get ready, look good, and like befriend celebrities so they can become famous. And they did become really famous. But that is a weird fucking childhood. Et le pire, c'est que c'est leur daronne qui les emmenait là-bas. Hein. Leur daronne leur, les emmenait dans chacune de ces fêtes. Comme quoi, il y a des parents qui sont plus avides de gloire et d'argent que leurs propres enfants. Comment tes enfants ont moins de 17 ans? Parce qu'elle dit qu'elle avait 17 ans et ses copines avaient été plus jeunes qu'elle. Ça veut dire qu'elles avaient au moins 16, 15 ans. Et toi, tu es une daronne, au lieu de les emmener à l'école, tu les emmènes dans des soirées huppées avec des youtubeurs pour qu'elles signent des pactes bizarres avec des gens bizarres. C'est bizarre quand même. And they went to like a lot of castings every day, like trying to get in movies. That's cool. But the whole party thing is just... Every time I see them now with other like celebrities and the life they are living now, I always think back on like, oh my God, like how that started. I was a part of that. I remember being at a party with a bunch of YouTubers, some of the biggest YouTubers in the world. And this one girl that was my really good friend, her little sister was like, not really my friend. She was just so little and she was just tacking along on this weird journey that, but my friend there was like, talk to him, talk to him. You have to date him. And she actually ended up dating like a lot of like famous YouTubers and stuff. And it was always just about getting tagged. Back then, I don't know. I was just kind of living in it. But now I see that it's just like using other humans. And that must have been like a weird traumatizing childhood for these two girls. And I know they are famous now, they're living a good life, but damn, I will never forget this. Tu m'étonnes, un traumatisme d'enfant. C'est quand même une enfance assez bizarre. Hein. Je sais pas, traîner dans toutes les soirées, écumer toutes les soirées de youtubeurs pour devenir célèbre, à vivre quasiment dans ta voiture avec ta mère et je te changer là-bas, te brosser les dents dans la voiture. C'est une enfance assez bizarre. Après, chacun ses objectifs de vie. Hein. I gave my blood at parties in Hollywood and everyone is asking me for story times because I'm exposing shit now. So I left all of this, but I see a lot of the people I used to hang out with, how big they became with fame, how different they are now. You go to all these famous, get in movies, that's cool. But the whole party thing, I don't know, I was just kind of living in it. But now I see that it's just like using other humans. And that must have been like a weird traumatizing childhood for these two girls. And I know they are famous now. They're living a good life. But damn, I will never forget this. I gave my blood at parties in Hollywood part. I don't even know. I'm exposing my time in LA. I was asked to sell my soul plenty times. Ouh! On m'a demandé de vendre mon âme plusieurs fois. Les sœurs, c'est malsain au possible, mais de ouf, c'est ouf comme enfance ça. Écumer toutes les soirées dans une voiture, c'est bizarre comme enfant. Les sœurs Hadid, aucune idée, je sais pas qui c'est en fait. Super la daronne. Enfin, les langues se délient. Maintenant, il faut que le gouvernement bouge. Or, c'est eux-mêmes les coupables, c'est le chat qui se mord la queue. Ça me rappelle ce que Ludivine, notre médium, nous avait dit que cette année, il y aurait énormément de révélations. D'ailleurs, elle dit, hein, au début de son TikTok, j'avais peur de parler parce que je pensais que si je parlais, j'allais mourir. Beaucoup sont décédés après avoir ouvert leur bouche. Hein. Okay, chill. Not plenty times. I would say like 10 times in 4 years. La meuf, on lui a demandé 10 fois de vendre son âme en un an. Ça fait quand même beaucoup. Enfin, c'est des forceurs un peu, hein, les chétanistes. Hein. Ils forcent. Comment tu peux demander à une gamine 10 fois, lui proposer 10 fois en un an d'aller pactiser avec Shaitan, de vendre son âme. Approached by someone who would offer me. Ah, voilà, le fameux épisode dont je vous parlais là, de ce fameux homme étrange danois qui l'avait approché et qui lui avait proposé en échange de l'argent de vendre son âme. They are famous now, they're living a good life, but damn, I will never forget this. I gave my blood at parties in Hollywood part, I don't even know. I'm exposing my time in LA. I was asked to sell my soul plenty times. Okay, chill, not plenty times. I would say like 10 times in 4 years. I was approached by someone
who would offer me fame, money, growth, whatever it is that I wanted, I could have. I have never actually met a celebrity that offered me anything like this. But I went to a lot of parties where I also, yeah, gave my blood, as I did the story time about. At these parties, I always met like really high businessmen. It would be like business owners, whatever. But yeah, they were just kind of like lurking around these parties. They were like, hi, I'm blah, blah, blah. En fait, tous les enfants, quoi. Tous les enfants stars. Ces soirées-là, il y avait des hommes riches, des hommes d'affaires qui étaient dans ces soirées-là. Et qui approchaient les gamins pour leur proposer de vendre leur âme en échange de la gloire et de l'argent et du succès. Je me demande si ces fameuses soirées qui sont organisées, soi-disant, pour les jeunes, pour s'amuser, ce ne seraient pas en fait des attrape-couillons. Genre, est-ce que ce ne sont pas ces fameux hommes d'affaires qui organisent ces soirées, soi-disant, bon enfant, pour aller attraper leur proie là-bas? Millionaire, billionaire of this company. Then after a while at these parties, they would like, ha ha ha, like, oh, you're famous in Denmark. Back then, I was like the biggest blogger in Denmark, YouTuber, influencer vibe, and I had a dream about singing. And every time I talked about singing, that was when it the offer came. I was told I could be like the biggest star. Attends, c'est bizarre. Elle est en train de dire qu'à chaque fois qu'elle parlait de son désir de chanter, le mec, il apparaissait dans ses soirées. Elle dit à chaque fois que je parlais de chanter dans une de ses soirées, ce mec, il venait. Le mec, il sortait nulle part. Ça se passe comment? Il traverse les murs, il les espionne pendant ses soirées. Ils ont des micros. C'est chelou quand même qu'une personne apparaisse à chaque fois que tu parles d'un sujet précis. Ce mec est-il humain? C'est la question que je me pose. Biggest singer in my country. I didn't believe in these things back then. I literally just thought of, like, oh, you're famous in Denmark. Back then, I was like the biggest blogger in Denmark, YouTuber, influencer vibe, and I had a dream about singing. And every time I talked about singing, that was when it the offer came. I was told I could be like the biggest star, the biggest singer in my country. I didn't believe in these things back then. I literally just thought I was talking to drug addicts because I wasn't spiritually woke and I didn't understand anything. So I always just said I don't believe it. Ah, là, elle dit un truc intéressant. Elle dit qu'à l'époque, elle n'était pas spirituellement élevée, quoi. Elle croyait en rien. Et souvent, on dit que le fait de ne croire en rien, de ne pas avoir de spiritualité, peu importe la spiritualité, hein, ça fait de toi une proie facile pour Shaitan. Comme quoi, avoir une spiritualité, une croyance, ça protège quelque part. Danish guy I met in LA said, wait till you release your first song that's gonna come out in Danish. And I did this a few months later, and this is just... Voici sa fameuse chanson, son premier single qu'elle a sorti, qui a fait un carton, juste après avoir rencontré ce mec bizarre, cet homme d'affaires bizarre, à une de leurs fameuses soirées, là. It was a big hit in my country. Had over 8 million views. And I believe this was the push for me to say yes. Because this song was made really randomly. And it just kind of became a success overnight. It was number one. It was played in every club, every place. I was touring with the song. And every other song that came after never had the success. But I was approached after by a... Elle dit, je pense que en fait, le succès de ce titre que j'ai fait un peu comme ça à l'arrache, c'était une façon de mal paguer. Sûrement c'était ça, hein. Sûrement le mec en fait, ce mystérieux homme danois qui lui a proposé de vendre son âme en échange de succès, a poussé ce titre pour lui donner un aperçu de la gloire, pour la convaincre de vendre son âme pour en avoir encore plus. Mais combien ont accepté? Labels and a very strange man in Denmark. Et elle dit, il y a énormément de labels qui l'ont approché après ça. Là, tout d'un coup, tu as plein de labels qui s'intéressent à elle. Soit ils ont des contacts avec les labels, soit les labels leur appartiennent. Parce que comment une petite fille inconnue au bataillon, on pousse un son, la meuf, elle est danoise, personne ne la connaît. Là, tu as plein de labels américains qui la contactent pour travailler avec elle. Had over 8 million views. And I believe this was the push for me to say yes,
Because this song was made really randomly, and it just kind of became a success overnight. It was number one. It was played in every club, every place. I was touring with the song. And every other song that came after never had the success. But I was approached after by a bunch of labels and a very strange man in Denmark. I'm so scared of him. He had nothing to do with the song, but he approached me and he was like, yeah, you see what happened? You can have more of that. So I always had like a weird trauma with this. Non, mais c'est trop flippant, c'est trop flippant. Tu fais un son comme ça à l'arrache, le son, il cartonne. T'as des labels qui t'appellent de toute l'Amérique et du Danemark. Et là, t'as un mec que t'as rencontré à une soirée bizarre il n'y a pas longtemps, qui vient et te dit, alors, t'as vu ce qui s'est passé avec ce son? T'en veux encore plus? Oh là 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 là. Moi, je crois que ce gars-là, je crois que je m'enferme chez moi à double tour et je ne sors plus. C'est ultra glauque, c'est ultra creepy. On dirait un film d'horreur. Because it just takes me back to all these creepy moments I had. And I think the success of this song was to give me a taste of it. Because I was having a lot of concerts and a lot of plays and a lot of fans and everyone was loving the song. And releasing my music after, it was just never the same. Eh ben sûrement parce qu'elle a refusé le pacte. Si elle l'avait accepté, et ça explique pourquoi est-ce que beaucoup de Lady Gaga, etc., et des meufs inconnues au bataillon qui deviennent riches et célèbres du jour au lendemain, on ne sait même pas qui elles étaient il y a deux jours. Et chaque fois dans leurs concerts, dans leurs chansons, elles font des choses sales, toujours en rapport avec le mougouli, avec ce qui se passe dans la chambre à coucher. C'est comme Madonna. Madonna, dans ses concerts, elle prenait ses doigts et elle se l'enfonçait dans la fraise. Elle faisait des trucs hyper glauques. Ils sont pleins comme ça à faire des trucs glauques dans leurs concerts, leurs clips de musique. Est-ce que ce n'est pas une façon de renouveler leur pacte? Je ne sais pas. Success. But I was asked by this man in Denmark. He said, are you ready for the next step? Because then this is going to be your life and it's going to be worldwide. T'imagines si t'es quelqu'un qui est avide de gloire et d'argent, t'acceptes tout de suite. Ah, si t'as pas le mental ou si t'as pas foi en Dieu, c'est chaud patate. I said no. I'm scared. I was like, fuck no. But that's my story. I've been approached many times like this. But I have my faith in God and spirituality and the universe and I don't believe in evil shit. Ah, heureusement qu'elle a la foi. Heureusement qu'elle a la foi. C'est ce qui l'a sauvé. I believe it's all energy. And I don't manifest dark energy. But mais même elle, fille, hein, vous verrez dans sa biographie que je vous ai fait dans ma vidéo, dans ma chaîne Gossip, elle a fait beaucoup de choses sales. Hein. Jusqu'à ce qu'elle se convertisse à l'islam, elle a fait énormément de choses sales et même après. Hein, vendre des photos de sa grossesse sur OnlyFans et tout. Elle est là, elle parle, mais elle a fait beaucoup de sales elle-même. Hein. Something I experienced and something I want to talk about. I just filmed this and I'm starting over because I freaked out. I'm in my son's room and this camera just turned blue, the ring. I never see it blue before. I got paranoid for a second. Paranormal activity. Moi, je suis sûre qu'il y a des appareils qu'on branche chez nous. Peut-être c'est pour nous espionner, on ne sait pas. I think maybe it was just detecting my sound, but I've never seen it blue. Anyways, smiling, laughing, because panic, weird. I don't have much tea on the whole children thing. I asked a guy at one of these parties, why would someone want to be with children? And he said, well, he doesn't do it, but what he knew is because they believe children are the closest thing to God. It's the most pure thing. Attendez, là, je vais revenir en arrière. En fait, elle est en train de parler maintenant de tout ce qui concerne les enfants. Parce qu'apparemment, elle dit qu'elle n'a pas de dossier concernant des enfants qui auraient été sacrifiés ou autre, mais qu'elle a posé la question à un de ses potes stars. Est-ce qu'il t'a déjà entendu parler de ces histoires où on s'en prend à des enfants dans des soirées étranges? Et son pote lui a dit que lui, il n'a jamais vu ça, mais il lui a expliqué pour quelles raisons des gens s'en prendraient à des enfants dans ce type de soirée où on pactise, où on vend son âme. Turned blue, the ring. I never see it blue before. I got paranoid for a second, but I think maybe it was just detecting my sound, but I've never seen it blue. Anyways, smiling, laughing, because panic, weird. I don't have much tea on the whole children thing. I asked a guy at one of these parties,
why would someone want to be with children? And he said, well, he doesn't do it, but what he knew is because they believe children are the closest thing to God. It's the most pure thing. They have no sins. They're just pure. And that energy is the highest energy in their minds. So it's just dark energy ritual things. I've never been in a place where I could actually save a child. I only heard about things. I have never actually seen a child in a situation where I could do something. After saying I gave my blood... Attends, donc en fait, selon ces personnes-là, ces personnes qui s'en prennent aux enfants dans ces soirées et tout ça, dans ce milieu, ils s'en prennent aux enfants parce que l'enfant a une énergie pure et ils sont ceux qui sont le plus proches de Dieu. Que Ludivine nous avait dit que tout n'est que énergie. Que en fait, les créatures du bas astral s'en prennent aux gens gentils et recherchent la lumière, recherchent les âmes qui sont lumineuses. Raison pour laquelle certaines personnes qui ont un bon fond attirent toujours les pervers narcissiques. Elle dit qu'elle n'a pas été témoin de ça, bah tant mieux. Mais que dans leur milieu, apparemment, c'est une rumeur qui circule, quoi. Mais je pense que si elle n'a pas assisté, c'est parce qu'elle n'avait pas... Elle n'était pas montée ou descendue assez bas dans l'échelle. Souvent, on dit que pour assister à certaines choses en rapport notamment avec les enfants, certaines cérémonies, il se dit qu'il faut avoir atteint un certain... Il faut avoir monté certaines étapes. En fait, dans leur milieu, là, ce serait un peu comme... ce serait hiérarchique. En bas de l'échelle, ceux qui n'assistent pas aux vraies choses glauques, ce sont les petits. Et plus tu gravis les échelons, plus tu fais des trucs dingues, plus tu assistes à des choses dingues. It's in Hollywood. I got a lot of feedback on this. Apparently, I'm not the only one. There have been other influencers messaging me saying they actually did the same. I also really want to say I have no idea what this means for me. I didn't sign a contract. I just signed my name and gave my blood. And I thought it was just a weird thing people did at some parties because they're weird. Back then, I was young and I didn't know about all of these Satan whatever things. I was just young and carefree. I just gave my blood. What I did notice after this, I had a lot of years where I was very mentally unstable after this. Like, I just experienced a lot of paranoia things. I saw a lot of things and I just think it's very energetic. Now I'm very spiritual. I found spirituality because I saw so much darkness. That's why I found the light and I found God. I wasn't really a believer in God or spirituality until I saw so much darkness. Ah, je pense qu'ils s'en prennent, ces mecs-là qui vont dans les soirées où des jeunes se retrouvent, c'est plus facile de faire pactiser des gamins parce que les enfants, ils sont insouciants et ils sont bêtes et ils sont naïfs. Un adulte, ça peut être un peu plus compliqué. Peut-être c'est pour ça qu'ils s'en prennent aux enfants. Est-ce que cette histoire de ketchup-là, il n'y a pas un secret autour du ketchup? Le ketchup, c'est notre ADN. C'est notre signature. C'est ce qui nous rend unique. C'est ce qui nous rend également traçable où qu'on aille et quoi qu'on fasse. Est-ce que les entités auraient la capacité, via notre ketchup, d'influencer notre santé mentale, notre énergie, etc. And I just needed a safe space. I thought I was cursed for years. I thought something was really mentally fucked up wrong with me. Being spiritual now, I can see, or I can guess that maybe I had dark energy coming to me because of this, because I was acting out like a fucking demon for a few years. Ah, voilà, elle dit qu'elle a agi comme un démon pendant des années. Ça me rappelle Miley Cyrus et toutes ces enfants stars qui, du jour au lendemain, pètent les plombs et se mettent à faire des choses bizarres. Miley, souvenez-vous, à une époque, elle faisait carrément des coiffures en forme de corne. Elle tirait la langue en faisant genre « je suis un petit démon ». Elle montrait son yoni, elle faisait des choses bizarres. Et elles sont pleines comme ça, des gamines qui étaient toutes mignonnes, toutes machin, et du jour au lendemain, elles deviennent très impudiques. Elles se mettent à faire des choses. Et justement, fille, elle a fait énormément de dingueries dans sa vie. D'ailleurs, elle a fini par écrire une lettre où elle a dit « je vais me foutre en l'air ». C'est dans la biographie que j'ai racontée sur ma chaîne YouTube. Maintenant, vous comprenez pourquoi j'ai commencé par raconter sa biographie.
son parcours à fille avant de faire cette vidéo-là. Eating disorder, drug addiction. Et ça, pendant toute la période où elle était à LA. Hein. Anxiety, depression. I was constantly in drama. A believer in God or spirituality until I saw so much darkness and I just needed a safe space. I thought I was cursed for years. I thought something was really mentally fucked up wrong with me. Being spiritual now, I can see or I can guess that maybe I had dark energy coming to me because of this, because I was acting out like a fucking demon for a few years. I developed eating disorder, drug addiction, anxiety, depression. I was constantly in drama. I was constantly being a mean person. I don't think I was born evil. Elle dit même qu'elle était méchante, hein. Carrément, ça l'a rendue méchante. But after LA, I became very dark and I was just not a good girlfriend, not a good friend, not a good influencer. I was just creating a lot of darkness and it wasn't intentionally. I didn't want to do this. I don't know why I did it. I thought I was just being a teenager. But I was promoting bad things. Ouais, genre elle a mis ça sur le dos de l'adolescence. Non, mais à l'époque, je pensais que je faisais juste une crise d'adolescence. D'ailleurs, ça me rappelle que quand nos bébés ils naissent à l'hôpital, on leur prend du sang. On leur prend une goutte de sang de leur plante des pieds. Et bizarrement, les enfants occidentaux arrivés à un certain âge, à l'adolescence, ils deviennent souvent infects avec leurs parents. Est-ce que c'est lié à ça? Mais en tout cas, moi, ça me rappelle ça. Went on a red carpet event on drugs, proud being on drugs, promoting it. I was not God's best child back then. And I think I was influenced by LA and that energy. Because after being away from LA and now I live in Spain, I just have such good energy. And I'm on a healing journey, trying to just live in light and make people happy and do the right things and make people feel good. Donc l'éloignement physique, ça l'a aidé apparemment à guérir, quoi. But I definitely can comme see... quoi, on avait, ça me rappelle le live qu'on avait fait avec Ludivine sur les catacombes de Paris, où on disait que certains endroits, certains lieux avaient une énergie négative. Et quand tu vis dans ces lieux-là, les gens sont dépressifs, colériques, violents, démoniaques. Et plus tu t'en éloignes, et moins tu as affaire à ce genre de comportement-là. A lot of darkness took over me after my time in Hollywood. And I don't know how or why. I just know that it happened after my time in LA. And it started in LA. That's when my soul became very dark for a few years. Could also just be growing up and being influenced by things. But yeah, I have a sick history. I did a lot of bad things. And maybe that's because I gave my blood. I don't know. I have no idea to this day what that means for me. I'm just guessing. You guys scare me when you say, please stay safe. Don't say that. Especially not because my son's ring camera just turned blue and I still don't know what that means. I do feel safe. I feel good. I know and I believe I'm not in any harm. Bah après ce qu'elle vient de révéler, c'est normal que ses fans, ses abonnés aient peur pour elle. Même moi, j'aurais peur pour elle. Hein. I'm spiritual and I believe I am protected. I also know myself and I will never say something that can actually hurt me. I will never name drop someone. I will never say something that I know is on a line where that's too much information to give. I have just been very traumatized for many years. I even went to therapy and I talked about things I experienced in LA and the therapist literally just said I was post-traumatic fucking loco. And I just closed this chapter. And I think now that I'm healing on my journey, like I've become... Ah, bah, je suis contente pour elle. Maintenant qu'elle est devenue un peu plus spirituelle, etc., elle a l'air de guérir et d'aller mieux, tant mieux. Comme quoi, en fait, la solution, c'est vraiment la spiritualité, quoi. My mother now, and I'm more calm. And it's been so many years now. I just feel okay talking about it. I'm not scared, because I know my limit. I don't know what that means. No, Aaron Carter, vous savez le jeune là, qui a connu Aaron Carter? Aaron Kelly, je sais pas, c'est le petit frère du chanteur des Black Suit Boys là. Lui, il est arrivé des dingueries, il a mis fin à ses jours. Qui a connu Aaron Carter dans sa jeunesse ou moi, quand Aaron Carter est devenu célèbre, moi je sortais de l'adolescence.
Donc, c'est plutôt les générations juste après la mienne qui ont connu Aaron Carter. Mais lui, il lui est arrivé des dingueries dans sa vie. D'ailleurs, elle va expliquer. Tu le connais, Anne Fabre, voilà. Il y en a qui le connaissent et elle a expliqué en fait que lui, il lui est arrivé un truc bizarre. Voilà, lui, le blond, c'est ça. Il est blond. Moi, ce n'était pas ma génération. C'est la génération qui a suivi la mienne. Mmh. Voilà. Et ben, elle va raconter ce qui lui est arrivé, enfin, ce qu'elle pense qui lui est arrivé à lui. C'est fou, hein? Écoutez bien ce qu'elle va dire. Relationship with him, and I was going to marry him. I'm going to get into this in part two on this one because I feel like there's just so much to talk about. I mean, I silenced myself for years, just trying to put together everything I experienced to heal. I'm just going to be very honest and real. When I first met him, we were just hooking up. We were just like, we were both very troubled, and I was not God's best child. Like, I was doing drugs, I was influenced by all of these things. And I actually met Aaron to one of these parties. And he looked at me and I'm smiling because I think back on him and he was just so much love. And he was just, he had darkness. He was traumatized. But first time I met him, he looked me in the eyes at this party and he said, let's get the fuck out of here. Fuck these people. I don't want to be around this. He didn't like this place and I didn't like it either. So we left and we ended up being awake all night, doing whatever you do. He was showing me all his music, telling me all his stories about his life. Thing is, I didn't really know anything about him when I met him, and I think that he liked that. And he looked me dead in the eyes, telling me things that I would literally take to the grave, saying that he couldn't trust anyone, and he was scared, and he had just been through so much. Attends, il lui a confié des choses qu'elle emportera dans sa tombe. Mais non, meuf, raconte-nous tout ce qui t'a dit. Apparemment, il lui a fait des confidences extrêmement hardes qu'elle ne veut pas révéler. Et apparemment, il aimait pas du tout le milieu dans lequel il évoluait, quoi. Il aurait dit à Fille qu'il est arrivé des dingueries dans ce milieu-là. Et comme par hasard, Aaron, il a mis fin à ses jours. Show you a part of a song he sent me. He said that it was for me and that he made it and wrote it for me. But I don't know if that is true. I mean, he could just be, you know, like guys saying things to every girl. But it did make me feel special, and he did ask me to marry him on this show a few years later. I will get into that, but I want to show you the song because I just want to put receipts out there because it hurts me when people are mocking my experience and not believing. Because what I went through is trauma. It's something I spend years healing and running away from. As I said, back then we were just hooking up. It's what you would call a situationship nowadays. We were a very unhealthy situationship. And I think in dark Hollywood, we found a lot of light in each other. We were not public. We were sneaking around. He was very paranoid about, like, press and stuff. So it was very, like, situationship, like, sneaking around. But even though I left LA, we just kept talking. And I don't know, Aaron Carter fans, if you remember, but I was in a lot of his live streams on Instagram. He had a period where he was doing a lot of live streams on Instagram. People said he was crazy. And every time I went live with him, he invited me to live. I got so much hate from my followers saying, why are you talking to this guy? He's sick. But I knew him. I knew him. And I still remember him as so much love and someone who made me so happy. And donc, à l'époque, les gens le traitaient de fou. C'est bizarre comme tous ceux qui font certaines révélations sont traités de fou. C'est bizarre comme tous les enfants stars finissent fous. Beaucoup accusent la farine, disent que ouais, c'est à cause de la farine, de la bibine, de ceux qui consomment, qui perdent la tête. Mais quand on écoute son histoire de pacte de ketchup dans des soirées bizarres, et après, tout d'un coup, ils deviennent un peu maboule, peut-être que ce n'est pas la farine qui les rend maboule. Hein. Donc, les gens ont traité Aaron Carter de fou, et lui-même, il a confié en off, il a confié à Fille qu'il avait vu des choses, des dingueries, et elle-même, elle ne veut pas en parler de ce qu'il a vu là-bas et de ce qu'il lui a confié. Years. Ma chérie, je te fais des gros bisous. Ça fait quand même presque 2 heures qu'on y est. J'espère en tout cas que ce live vous aura plu. Enfin, à défaut, est-ce que ça peut plaire ce genre d'histoire-là? C'est glauque. Voilà, c'est glauque. Mais en tout cas, j'espère que ça vous aura édifié, ma foi. Je vous fais des gros bisous. Je vous donne rendez-vous pour un prochain sujet paranormal. OK? Tous les sujets paranormaux seront sur cette chaîne, la chaîne paranormale. OK? J'en ai encore pas mal en réserve. Voilà, que je vous ferai donc des lives sur les mêmes sujets que je vous ferai dans pas longtemps.
J'essaye de ne pas trop vous saturer de live, etc. OK? Merci, c'était excellent. Mais de rien, Anna. Bisous à toi, Jess. Merci pour ton intervention. À très bientôt, mes chéris. Je vous fais des gros bisous. Ce live sera en replay très vite sur mon site et également sur ma chaîne Aurore après avoir été modifié. Voilà. Allez, bisous, mes chéris.